place au cirque. C'est un lieu extraordinaire. Déjà, quand vous passez ici sur le boulevard, que vous remarquez ce cirque, c'est pas courant de voir un cirque comme ça en plein Paris. Il n'y en a qu'un seul, et même en France, il n'y en a plus beaucoup, et surtout qui vit comme celui-là. Et quand vous rentrez dedans, c'est un lieu chaleureux, et c'est un lieu qui a été créé en 1852 et qui depuis vit par et pour le cirque. Moi ? Oui, vous. Moi ? Ben, c'est pourquoi ? Je vous explique. Je m'appelle Totti, je suis musicien et je voulais mettre un peu de l'ambiance, tout quoi. Et surprise, apparemment ils sont bien aimés, n'est-ce pas ? On garde des images traditionnelles, des images qui sont des repères pour le public, mais en même temps, ben, ce sont des jeux de lumière du 21e siècle, ce sont des jeunes artistes, des nouvelles générations d'artistes, ce ne sont pas forcément des artistes issus de familles de cirque. Il faut voir maintenant dans ce spectacle, par exemple, des artistes qui viennent d'un peu partout, mais aussi certains qui ont été formés dans des écoles, que ce soit en Russie, d'autres qui viennent du cabaret. Enfin, c'est un panel, une rencontre d'artistes qui fait que le cirque a trouvé un nouveau souffle avec des jeux de lumière formidables. L'orchestre aussi, bien sûr, qui a évolué. La musique de cirque, ce n'est plus la musique du cirque d'autrefois, c'est une musique du 21e siècle aussi. Marie Manfredi. Qui est ? Qui est alors le batteur ou la batteur. Je ne sais pas comment on dit, je ne vais vexer personne. Voilà, mais en tout cas, qui s'occupe de la batterie dans l'orchestre et qui se tient ce poste formidablement bien depuis 5 ans maintenant. Eh ben, j'ai fait mes études au conservatoire de Bastia et ensuite j'ai passé une audition avec Pierre Nouveau, qui est d'Ajaccio, qui est le chef d'orchestre du Cirque d'Hiver. Oui, c'est particulier, on passe par plusieurs styles, donc on peut jouer du rock, du jazz, de la salsa, tout ça. Donc il faut pouvoir aborder tous ces styles. On fait partie d'un spectacle, c'est pas un concert, donc on se met au service de l'artiste. Il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir d'autres choses. L'artiste n'a pas envie de faire ça, il veut faire autre chose aujourd'hui. C'est à nous adapter. On va essayer de te laisser te reposer parce qu'on attaque la dernière dans une demi-heure. Courage et puis à bientôt pour la reprise. Merci, au revoir, ciao.